Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo consacrée au crochet. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser la bride, qui est une autre maille au crochet. Elle est un peu plus haute que la demi-bride. Donc, pour démarrer notre rang en bride, nous allons, en fait, si vous vous souvenez, pour notre maille serrée, on commençait le rang avec une maille en l'air. Pour la demi-bride, avec deux mailles en l'air. Et bien, pour la bride, il nous faudra trois mailles en l'air. Comme elle est plus haute comme maille, il faut qu'on compense en fait la hauteur avec la première maille du rang. Nous allons ensuite réaliser un jeté et piquer comme d'habitude, hein, pas dans la première, mais la deuxième maille du rang. Ramener la laine, on obtient trois brins, comme pour la maille demi-bride. Alors au lieu de faire comme pour la demi-bride un jeté et on passe dans les trois brins, on va réaliser un jeté et on va travailler deux par deux. C'est-à-dire que je réalise un jeté, je passe dans les deux premiers brins, je m'arrête, je réalise un autre jeté et je passe dans les deux brins suivants. Un jeté, je pique dans la maille suivante, je ramène. Un jeté, je passe dans les deux premiers brins, je m'arrête. Un autre jeté dans les deux derniers brins. Un jeté, je pique, je ramène et je travaille deux par deux. Les deux premières, les deux suivantes. Je fais un jeté en fait à chaque fois. Je ramène les deux premières, les deux suivantes. Et je continue ainsi de suite. Et là on voit bien en fait que les rangs de bride sont plus hauts que les rangs de demi-bride. Et voilà, dans la prochaine vidéo, on fera la double bride. À bientôt !